père à 8 heures. Alors, je ne sais pas qu'on va ouvrir dans 3 heures. J'ai l'impression d'être la cargaison en allemand. La région où nous sommes présentement, là, sa ressource principale, c'est la forêt et tous ses produits dérivés. Là. C'est le boss avec lequel on est arrivé. Un petit hôtel voisin, à peu près 100 roupies de plus. Là. On a une salle de bain avec une fenêtre là, qui ne donne pas sur un mur. L'autre, c'est bien, mais vieillot, là. C'est... Moi, j'aime plus ça, là, avoir des salles de bain communes. Là. Si j'ai le choix, là, j'en prends pas. Oh, ben Louis, c'est une belle chambre. Tu sais? Oui, c'est parfait, ça. Elle est grande, je sais pas, c'est un genre de... Ah! Ouais. Quand on sort de notre hôtel, les montagnes, la campagne, finalement, quand même curieux, hein? Mm-hmm. On dit que c'est juste une ville étape, que c'est là comme Melcolin. Et voilà, c'est ici qu'on va manger la fraîche pizza pasta. Mm-hmm. Maintenant qu'on a goûté un peu la pizza, un mot ou deux sur la pizza? Excellente. La pâte est mince, et puis toi, la tienne goûte vraiment le fromage, puis avec une bonne sauce. La mienne avec les épinards, c'est parfait. Quel coup de chance, Louise, on est bien placé, là. Quand tu me dis on y va pas, puis c'est marqué à Jang à Dogvan. Ben oui, ben là, je t'ai tout mêlé, moi, Louise. C'est pas mal local. Thank you.
on le voit à travers les sacs à dos. Tu as vu il y a beaucoup de... Voyons, de fleurs de sarrasin. C'est ça, on est quoi? On est le 24 octobre. C'est en pleine saison de la floraison du sarrasin. Ah oui. La fête du tonnerre, le paysage est époustouflant. C'est beau, là. Je peux juste dire, wow, là. Presque à toutes les courbes. Là, on approche une dizaine de kilomètres de Donneval. Ah, 10 kilomètres exact. Vraiment magique, là. Il y a des cyclistes, mais... Tu m'entendais, mais... Des cyclistes, des beaucoup de cyclistes. Beaucoup, beaucoup. Translator. 750 000. That is one noche, and that is two noche. Oh. Together, three noche. Batoya. 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 Batola. Is okay? Allo compris. Oh, madem. Is okay? Oh. For three noche? Yeah. Pshu. Hey, puis je... mon affaire marche pas quand je veux. Ah, ben, attends, Louise. C'est ta nervosité qui fait ça. Combien? Combien? $20,000. C'est sa première expérience de négociation. Sans l'aide de Roger. Un vrai flop. même pas eu... Je vais revenir demain puis je vais essayer de négocier. Elle n'a même pas eu le temps de crier ciseaux que le prix avait monté de 20 000 à 30 000. Tout le sarrasin en fleurs. C'est le vieux marché ici qui ont complètement restauré. Les Chinois sont venus il y a déjà 300 ans s'établir à Donovan. Fait que leur présence au niveau architectural est assez remarquable. Il y a comme deux temples, ben, dont un qui a été converti en café. Ben moi, j'ai pris un café au lait de coco, un café froid. Ah, puis moi aussi, c'est un café froid. Le classico des classicos au Vietnam. Super bon. On a comme petite gorgée, nous dire voir ton appréciation. Excellent. On en a profité pour voir ce qui nous attendait là, en termes de transport pour les prochaines destinations. Tellement beau ici. Après la lessive. Ici, ce que j'ai lu tantôt sur un écriteau, hein, le village de Dong Bac, regroupe 17 ethnies. Ça, c'est selon l'UNESCO. Il regroupe 17
ethnies, vois-tu, là, différentes, sur seulement 2,5 km carrés, ce qui en fait la plus forte densité au monde d'ethnies qui cohabitent ensemble. Ici, on, en agriculture, on pratique quelque chose qui est vieux comme le monde, là, depuis qu'à presque la naissance de l'agriculture, donc la sédentarisation de l'humain, ce que j'en sais en tout cas, et puis ce qu'on appelle le brûlis. Hein? On force la nature à se régénérer. C'est à l'école du sarrasin bientôt, il va être en fleurs. Il y a comme un festival, ou du moins une fête, là. Le petit chemin vietnamien. Même que 85% des choses que je fais, c'est pas, c'est nulle part, t'sais. C'est pour ça que c'est le fun de filmer. C'est nos gars d'hier! Il a raison que t'es sale, mais... Bahia! 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 C'est drôle, toi! Ils sont tous là! Ici, on a développé la... pour conserver la nourriture, là, tout ce qui sont secs, mais fumé, là, pour dire plutôt fumé. Chez Public, ça restera toujours un marché où on cherche des choses utiles pour la maison, des vêtements, des outils, des jeux pour les enfants, et évidemment, de la nourriture. Essentiellement, c'est ça. Mais il y en a qui sont tout petits, d'autres sont très grands. Et quelques-uns, il y a beaucoup, beaucoup d'artisanat, surtout au niveau des vêtements. Ben, il y a le café, là, donc le temps passé un petit peu, là. Mais l'huile pour la cuisson. Bonjour. L'huile, c'est vraiment... Ici, des shampoings. Hein, on les rince par unité. Avoir un portrait ou une minute. Comme tu dis, la princesse. Oui, ben, la princesse. Il faut qu'on arrange ses couettes. On est toujours à Donvac, puis on a déménagé parce qu'après deux jours, là, deux nuits, toute la chambre était réservée. Hier, on a trouvé cet espace-ci, puis la plupart des endroits, homestay, hôtels qu'on arrêtait, c'était plein. Parce qu'en fin de semaine, il y a comme une fête, là, une fête du village, qui va avoir lieu demain. Avec Louise qui figure. Je fais la démonstration. Oh, oui. Oui, oui. On l'aime pas. Allô, madame. Oui, on... En démonstration. Et voilà. Oui, la salle de bain. Ici, c'est quoi? C'est peut-être 22$ la nuit, là. En tout cas. La première journée de pluie, depuis le 4 octobre, et puis on est le 28 octobre. C'est
Et puis avec les Easy Riders, hein, c'est mieux comme ça pour aujourd'hui. Et il n'y a pas le choix, il faut qu'il roule. C'est ici qu'on loge. Quand on était obligé de se déplacer après deux nuits au premier hôtel, il a fallu en trouver un autre. Puis là, on est au bout là, du village. C'est le seul qui avait des chambres de libre. En cas de pluie, comme aujourd'hui, refuge. La chambre était faite. Ah, c'est un gros plus, ça. Bon, ben, c'est la brûlante. Bien, ça fait peut-être une demi-heure que ça essaie de pleuvoir. Là, il a plu toute la journée. Van qui s'éveille à la nuit.